Cette vidéo vous est proposée par Imagine Arts Digital, la plateforme vidéo d'arts martiaux avec plus de 120 heures à dévorer sans modération. C'est imaginearts.digital. Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Gallet, sensei, 7e dan de Nyon Taijutsu. Il est le responsable national du Nyon Taijutsu pour la FFK et le SMTJ. Mais c'est super de se retrouver ici à Toulouse et de pouvoir discuter un tout petit peu. Mais de toi, réellement, parce que là, c'est vraiment sur toi, sur ton passé, sur ton présent et pourquoi pas ton futur. Bah écoute, je suis à ta disposition. Donc dis-moi, comment t'es arrivé sur le tapis? Pour quelle raison? Oh, je suis arrivé il y a très longtemps sur le tapis. En fait, dans les années 70, c'était la grande mode médiatique en fait, qui s'est déversée sur toute la France, sur les arts martiaux. Donc il y avait Bruce Lee, David Carradine, il y avait Kung Fu... Il y avait tout un tas de bandes dessinées où on trouvait des arts martiaux. Et je suis arrivé, en fait, dans le seul club qu'il y avait dans mon village à l'époque, c'était un club de lutte. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai commencé avec Georges Gardereau, donc, qui était le professeur de lutte et qui, à l'époque, était champion de France de lutte. Donc, pour nous, c'était super. Bah, oui. J'avais 7 ans, j'étais tout petit, on avait un champion dans le village. Ouais, mais c'est une super discipline, la lutte. Ah, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai pratiqué 3 ans. Je suis arrivé, à l'époque, Benjamin, 30 kilos. Champion de Lorraine de lutte, attention. Et après, mes parents ont décidé de déménager, donc je me suis retrouvé à Argenteuil. D'accord. Et là, il n'y avait plus de club de lutte. Et il y avait quoi à la place? Et je me suis inscrit au judo. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai fait du judo pendant quelques années, et puis après je me suis rebranché sur le karaté, mais de manière très, très light, on va dire, puisque c'était les cours du mercredi qui étaient donnés dans le cadre des activités pour les collégiens. Et puis j'avais repéré le Taijutsu, parce que ça s'appelait Taijutsu à l'époque, dans un magazine qui était un collecteur d'images un peu genre Panini, et où en fait il y avait le Taijutsu, et je m'étais dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et ma mère était sympa, elle a cherché un peu partout, elle a trouvé Maître Ernaez. Elle l'a appelé et lui a dit, écoutez, il y a un club à Argenteuil, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Donc, globalement, en termes de communication, on était au courant de rien. Et je me suis inscrit donc chez Robert Nguyen à l'Union Sportive Argenteuil. D'accord. Et depuis, en fait, Nyon Taijutsu, le Taijutsu qui est devenu après Nyon Taijutsu, fait partie de toi, quoi. Exactement. Donc j'ai pratiqué à peu près 10 ans avant d'arriver au Taijutsu. Et en 82, donc, j'ai commencé. Et puis voilà, après c'est parti, j'ai jamais arrêté. C'est génial. Quelles sont tes raisons aujourd'hui de continuer à pratiquer? Parce que beaucoup de gens, en fait, commencent à pratiquer parce qu'ils ont une aspiration quand ils commencent à pratiquer, mais rapidement, en fait, les aspirations changent. Et donc, après tant d'années, qu'est-ce qui, toi, te motive pour être toujours sur le tatami? En fait, ça fait partie de moi. Donc, je pense que je ne pourrais pas ne pas pratiquer. Et à la fois, j'ai la passion d'un pratiquant et aussi l'envie de transmettre. Donc ça, c'est quelque chose qui est d'abord me fait progresser moi-même, parce qu'on se remet en question sans arrêt en formant des gens. Et en même temps, c'est super, parce qu'on essaye de transmettre notre passion, et puis bon, le pourcentage est plus ou moins grand de réussite, mais on arrive toujours à avoir quelques personnes qui accrochent, et à la rigueur, c'est les personnes à qui ça convient. Les autres qui n'accrochent pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça ou qu'ils doivent faire autre chose. Donc c'est vrai que la bonne satisfaction, c'est d'avoir des gens qui restent et qui continuent. Comment est arrivée cette envie de transmettre? C'est arrivé très tôt, en fait, parce que j'ai toujours aimé la pédagogie. Et je crois que j'ai commencé la pédagogie en donnant des cours de pharmacologie dans une école d'infirmières. D'accord. En fait, et puis je me suis dit, c'est vrai que c'est sympa. On partage ses connaissances, on forme les gens. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, aussi sur le tatami, donc Robert Nguyen donc, me donnait des responsabilités pour encadrer les plus jeunes. Et puis tout ça s'est fait naturellement, on va dire. Oui, tu n'as pas cherché quoi que ce soit, c'est venu... Non, c'est venu naturellement. Ouais. Voilà. Avec le temps, maintenant, ce nouveau poste que tu as au niveau de la FFK, le FNTJ, donc tu as aussi cette responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça t'amène à quoi, en fait? Ça m'amène, à aider au développement du Taijutsu. Mon objectif, c'est quand même de recentrer la pratique du Nyon Taijutsu de façon à avoir un groupe homogène, motivé, engagé au maximum dans notre pratique et qui a envie de transmettre également. Et on a beaucoup de professeurs actuellement qui adorent ça. Donc il va falloir qu'on travaille tous ensemble de façon à faire plein de choses
très bien, comme on a fait par le passé, mais ouais. Maintenant, il va falloir essayer de développer encore un peu plus. Développer, dynamiser. Dynamiser, oui. Ouais. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, il a pris un poste de responsabilité au niveau de la FFK. En fait, il ne l'a pas pris, on lui a donné. C'est Sensei Arnaès, en fait, qui s'est retiré et qui a choisi Philippe, en fait, pour qu'il endorse, d'accord, cette responsabilité-là. Donc, on n'est pas dans un pouvoir politique, etc., mais bien dans une transmission martiale d'école de Ryu, où il y a l'ancien, le Hanchi, donc Hanchi Arnaès Sensei, et qui a transmis, en fait, cette responsabilité-là à Philippe, parce que pour lui, c'est le garant, en fait, de l'école. Et donc, ça, c'est une des choses les plus importantes. Pour toi, ça représente quoi que Sensei te fasse autant confiance? Pour moi, c'est un honneur et une joie en même temps. Et c'est vrai que c'est un long travail, mais c'est pareil, ça s'est fait aussi petit à petit, parce que on a travaillé au sein de la commission technique avec Philippe Avril et Jean Jugeot depuis 2004, aussi bien au niveau national qu'international. Et ça s'est mis en place petit à petit. Donc, on a animé les stages, on a fait évoluer les choses. Oui, vous avez eu après, au niveau de la FFK, le titre d'expert aussi fédéral qui n'existait pas avant. Oui, ça aussi, c'était une grande avancée pour nous. Pour l'école, c'était pour super. L'école, c'est une reconnaissance, c'est bien. Mais après, la reconnaissance des élèves aussi, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant aussi, puisque quand on arrive sur le tatami et que tous les élèves adhèrent, qui on les sent motivés, qui ne voient pas l'heure passer, on arrive en fin de cours, ils disent « Ah, c'est déjà fini », on se dit « C'est bien, on a réussi notre mission ». On les a accrochés. Et donc, du coup, c'est à la fois une reconnaissance de Sensei que je prends un petit peu comme une sorte de Menkyo Keden, fait, et aussi une reconnaissance des élèves qui adhèrent et qui viennent à nos stages. Oui, bien sûr, parce que c'est une transmission, et donc il y a tout le monde qui est en dessous, quoi, et qui maintenant va regarder dans ta direction pour voir un petit peu où va aller l'école. Oui. Parce que c'est un petit peu ta responsabilité, là. Exactement. Mais notre école, de toute façon, a toujours été à la fois un art martial traditionnel et une école de défense personnelle. Oui. Donc on va s'appliquer à garder cette même direction, et pour moi et mon équipe, le traditionnel reste primordial puisque c'est le cœur de l'enseignement et c'est vraiment ce qui nous a permis à nous d'arriver au niveau où on est. Et c'est ce que nous devons transmettre, c'est ce que nous avons comme mission de transmettre et responsabilité puisque c'est ça qui va permettre aux futurs élèves d'atteindre après le niveau qu'ils atteindront en fonction de leur motivation, du temps qu'ils vont passer, sur leur investissement. Mais ce cœur de l'école, c'est simple, c'est l'apprentissage des techniques, il faut savoir faire les techniques. Après, on a les bases et les katas. Ouais. Après, en termes d'application, pendant les cours, on fait des randori. Et après, toute la défense personnelle, chacun, en fait, fait un petit peu en fonction de ce qu'il aime, de sa propre orientation. Donc là, les gens sont un peu plus libres. Ouais. Là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que des personnes pourraient se dire, je vais enseigner les branches de l'arbre et pas le tronc. Ah ben oui. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que les gens et nos professeurs enseignent le tronc commun, vraiment le traditionnel. Après la self-défense, chacun fait comme il veut, c'est l'application. Et tu sais, en karaté, c'est exactement la même chose. Quand on enseigne le Goshin, etc., l'autodéfense, on l'enseigne avec nos propres désirs. Et moi, la façon dont je l'enseigne va être complètement différente des autres pratiquants de karaté simple. Et en plus, moi, j'ai plus d'ateliers à droite, à gauche, mais... quand on enseigne, après, il nous faut une base, une structure. Exactement. Et la structure, elle doit être commune à tous. Quoi. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir le même langage. Exactement. Et c'est l'application. C'est le principe de travail, il est là. Et la mise en application est différente. Mais c'est toujours le même principe. Le principe est indéflectible. Quoi. Ah oui, ça. Les principes fondamentaux, de toute façon, on va les retrouver. Et tu parles du karaté, mais en réalité, quand on regarde judo, karaté, taijitsu, ou n'importe quelle école, il n'y a pas 36 manières d'utiliser son corps. C'est ça. Les techniques sont toutes les mêmes. Tout repose sur des principes fondamentaux. L'utilisation du corps correct, de façon à rentrer les techniques avec le minimum d'effort et le maximum d'efficacité, principe de Kano. Et globalement, il faut arriver à ça. Ouais. Et forcément, comme on n'a pas tous la même morphologie, on ne va pas faire les techniques de la même manière. Par contre, le principe fondamental restera le même. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir pouvoir transmettre aux élèves le principe fondamental et pas une forme diluée. Ouais. On ne transmet pas sa forme de corps. On transmet les fondamentaux.
Mais c'est pour ça que, et tu le sais très bien, quand tu étais à Shizuka, etc., mon Shizuki Minoru, ben, c'était ça. C'est, oui. Il transmettait réellement avec une forme de corps et à l'élève, oui. Et pas sa forme de corps à lui, quoi. Et le Nyan Taijitsu, descend de cet arbre-là, quoi. Le tronc Exactement. Commun, il est là, et tu veux le garder, vraiment. Ah oui, ouais, c'est primordial. Ouais. C'est pour ça aussi que régulièrement tu vas là-bas, aux sources. Oui, donc j'ai la chance de pouvoir aller assez régulièrement au Japon, donc par mes activités professionnelles notamment, et ça me permet de m'entraîner dès que je réussis à me libérer à Shizuoka, auprès de Washizu Sensei, assez régulièrement. Ouais. Alors, chose que vous ne savez peut-être pas, mais vous savez, j'ai fait un DVD pédagogique avec Washizu Sensei et aussi un documentaire sur l'école. Et tout ça, c'est grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui, parce que s'il n'avait pas été là, c'est lui qui m'a introduit, et aussi avec Arna Sensei, mais c'est lui qui a rétabli les ponts qui s'est passé entre l'Orient et l'Occident, et c'est lui qui a permis en fait de refaire ce pont et qui m'a permis de repartir là-bas. Moi, je me rappelle la première fois où j'y suis allé, voilà, si, il y avait eu des demandes, etc. Et après, on est reparti, on était ensemble. Oui. On était ensemble, quoi. C'est pour faire le tournage, etc. Ouais. Et on a fait plein de trucs. Et donc, c'est vraiment grâce à lui. C'est lui qui a permis que Washizu Sensei puisse venir en France faire ses stages, etc. C'est, il faut pas l'oublier, quoi. Donc, les rapports, en fait, qu'il a eus par rapport à l'école et au tronc pour aller aussi dans les racines du tronc, ben c'est là où il est allé, pour pouvoir vraiment aller dans le principe même. Ouais. Toi, personnellement, sans parler des autres, mais toi, personnellement, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être là-bas? Ah, c'est assez riche en émotions, parce qu'en fait, on se retrouve dans le dojo qu'on voit dans les vieilles VHS de Shizuki Sensei ou dans des vieux films qu'on voit passer, et se retrouver, par exemple, face à la racine qui est la tête de dragon. Ouais. C'est la voir en réel, ça, ouais. C'est vrai que ça fait quelque chose. Hein. Ouais, moi, ça m'a fait pareil. Ouais. Ouais, mais c'est normal. Hein. C'est plein d'énergie là-bas. C'est vraiment très fort. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est différent. Et en fait, on a réussi, on a relié les ponts, comme tu dis. C'était en 2006. Donc, j'avais pris contact à l'époque avec Tezuka Sensei, qui était encore là. Et le premier voyage que j'ai fait, donc je les avais contactés avec recommandation de Maître Ernest, donc on avait tout bien. Et donc on est arrivé et j'ai emmené à cette époque-là Alain Corly et Christophe Gauthier. Donc on est arrivé à trois et on connaissait personne. Quoi. Et quand on est arrivé dans ce dojo, en plus il faisait froid, mais ils avaient été sympas, ils nous avaient branché des radiateurs. Et les premiers entraînements, c'était grandiose. Quoi. On était là, waouh, on y est. Ça y est. Ouais. Surtout que c'était un rêve qui datait des années 80. Parce qu'il y a eu des voyages qui avaient été organisés avec dans le dojo de Mochizuki Sensei en 83. Et nous, d'ailleurs, j'ai encore. Alors, je dois encore avoir le flyer du voyage de 85. Parce qu'il y a eu deux voyages. Il y a eu le premier de 83, mais jeune adolescent en banlieue parisienne, avec pas forcément suffisamment d'argent pour aller au Japon et pour se payer un stage comme ça. Et puis, en plus, à cette époque-là, c'était super loin. Les gens voyagent beaucoup. Maintenant, je vois les jeunes, ils prennent l'avion à droite à gauche super facilement. Mais nous, c'était une expédition. Donc, on voyait ça. On a rêvé en 83 avec Vic et Christophe. On regardait ça. Ah mince, on peut pas y aller. 85, pareil. Et on s'est dit, bah, prochaine fois, on ira. Et donc, du coup, la première fois où je suis allé au Japon, c'était en 2010 avec Maître Arnaez. Et là où on n'avait pas été finalement chez Mochizuki Sensei, mais on avait vu plein d'autres maîtres d'arts martiaux et très intéressants aussi, dont le Seibukan, où on a même fait des démonstrations. Ouais, voilà, Et donc c'était très riche. Le fameux Seibukan. Ouais. Le fameux Seibukan, ouais. Tu es très curieux. Oui. Si on ne peut pas dire que tu as des œillères dans ta pratique, c'est bien au contraire en fait. Et je pense que c'est une force. Parce que souvent, les gens qui ont des œillères, en fait, ben, ils ont les œillères qu'ils connaissent. Mais le problème, ils ne connaissent pas tout, et forcément, donc, ils passent à travers de certaines choses. Et le fait d'avoir une ouverture d'esprit sur sa pratique, sur la pratique des autres, de s'enrichir, ben, on retrouve un petit peu des choses dans sa propre pratique. Oui. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, d'aller à droite, à gauche? Alors, parce que tu as fait plein de choses, quoi.
Ouais, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai toujours gardé comme ligne de conduite le Nihon Taijutsu, ou le Taijutsu à l'époque, peu importe. Tout ce que j'ai pu faire à côté, ça a été pour enrichir ma pratique. Parce que on a une école qui en fait est formidable, parce qu'on fait tout. Donc c'est vrai que c'est super difficile d'être bon en atemi, en projection, en clé, en sutemi. C'est un programme qui est énorme. Ouais. Donc c'est vrai qu'on pourrait nous dire, oulala, mais c'est trop compliqué votre école. Mais en réalité, la progression est faite de telle manière que les gens arrivent à faire déjà des techniques de défense personnelle très simples et efficaces assez rapidement. Voilà. Après, il y a toute la recherche du traditionnel, le budo, et tout l'enrichissement avec des techniques qui vont être plus compliquées mais pas utilisables dans la rue. Sachant que je maintiens mes deux caps. Hein. Nous sommes un art martial traditionnel et une méthode de défense personnelle. Donc la méthode de cette défense, on va dire, c'est la base. Et puis après, il y a tout le travail qui va permettre justement de pratiquer des années et des années. Alors moi, dans ma recherche personnelle, en effet, j'ai pu pratiquer avec des maîtres différents, avec toujours pour objectif d'enrichir ma pratique, d'essayer de faire le parallèle, d'aller récupérer des informations en me disant, bah tiens, cette technique-là, comment est-ce qu'eux, ils l'expliquent ? Donc par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec Muguruza Sensei en Aikido Yoshinkan, j'ai travaillé avec Christian Tissier également pendant l'année où j'étais à l'armée, plus une année supplémentaire. Ça m'a apporté beaucoup de choses sur les pratiques d'Aikido, sur l'entrée des axes, sur des choses comme ça. Donc tout ça, j'ai récupéré pour enrichir et accélérer ma pratique, puisque on l'a, nous on l'a dans l'école. Oui, tu l'as déjà, et puis aussi ça t'amène à différentes façons aussi d'amener les choses. Exactement, oui. C'est pas juste une seule façon, quoi, mais tu sais qu'il existe plusieurs et qu'elles sont pas fausses, quoi. Ah oui. Donc, ah oui, c'est ce qui m'a permis, je pense, également de bien faire la différence entre les formes de corps et les techniques. Ouais. Quand on regarde les techniques faites par moi, par Philippe Avril ou par Jean Jugeot, il y a des gens qui peuvent dire bah, ils font pas la même chose. Ouais. Mais en fait, quand on travaille ensemble, on se rend compte qu'on fait la même chose, avec des formes de corps différentes, parce qu'on n'a pas le même gabarit. Mais par contre, le fond est le même. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que pour un débutant, il va dire, oh là là, mais là, il l'a montré une technique comme ça, lui, il l'a montré comme ça, c'est pas tout à fait pareil, il a pas mis le pied au même endroit. Mais en fait, la technique, dans le fond, est la même. Ouais. Et ça, c'est ce travail dans différentes écoles, aussi bien des écoles donc, où j'ai pu pratiquer plus ou moins longtemps, que dans des stages, parce que j'ai fait des... Beaucoup de stages. Bah, en fait, pendant plus de 11 ans, je pense que je devais m'entraîner à peu près 15 ou 16 heures par semaine. Et j'étais pris tous les week-ends. Je faisais tout ce qui passait. Voilà. Ouais, mais donc, c'est comme ça aussi qu'on avance. Hein. Ouais, mais ça m'a permis de rencontrer des gens sympas. Par exemple, Rickson Grassi, les moines Shaolin, des choses qui étaient un petit peu complètement en dehors. Mais c'était sympa à faire. Et j'ai pris des choses, étrangement, j'ai pris des choses dans chacun des stages. Ouais. Ouais. Souvent, il y a un petit truc, un petit déclic. Ouais. C'est très rare où je repars d'un stage en me disant, ouais, bon, bah, j'ai pas pris grand-chose. Après, en même temps, tu cherches, quoi. Oui. Ah, voilà, c'est la différence. T'attends pas qu'on te donne le truc, quoi. Non, bah, il faut chercher, hein, de toute façon, parce que c'est important. Alors, à la fois, bon, il y a tous les DVD, et d'ailleurs, toi tu en as édité pas mal, qui donnent beaucoup de voix. Donc ça n'a pas l'air, mais ça donne des voies de recherche. Il y a toute la littérature. Hein. Je dois avoir plus de 500 livres sur les arts martiaux, dont les plus vieux datent de 1800 et quelques, fin des années 1800. C'est très riche. Ouais. C'est formidable de lire ça. Quand on se plonge dedans, on se dit, oula, on n'a rien inventé. Ah non. Quand on regarde les livres de Kawashi, par exemple, qui ne sont pas si vieux que ça, bah, dans les méthodes de self-défense, il y avait déjà beaucoup de choses. C'est super intéressant. Alors, on change de packaging, hein, c'est tout. Voilà. On change de packaging, on dit que c'est exactement la même chose. C'est le problème avec toutes les nouvelles écoles. Il n'y a rien de nouveau. Quoi. Ouais. Donc, après, il n'y a rien de nouveau, mais parfois, il y a des méthodes pédagogiques. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en Nihon Taijutsu, on a une méthode pédagogique qui a été mise en place par Sensei Arnaez. Et vraiment, elle permet d'avoir une évolution qui est adaptée à chacun et qui est vraiment évolutive. Et qui permet de monter marche par marche. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas face à un ravin où d'un seul coup, tiens, on va dire aux débutants, bah, tu vas faire un sutemi. L'autre, il va dire, oh là, on va faire Katagoruma. Ah, voilà.
Donc ça, ça non. Mais c'est vrai que globalement, la méthode qui a été mise en place permet à chacun d'atteindre un bon niveau. Mmh. Alors plus ou moins longtemps. Oui, ça dépend de chaque pratiquant. Il y a des gens qui iront plus haut, il y en aura qui iront moins haut. Mmh. Après nous, notre rôle aussi en tant que dirigeant, ça va être aussi de détecter les talents du futur. C'est-à-dire qu'il va falloir penser aussi à la relève. Oui, pour plus tard, oui. Donc ces gens-là, il faut bien qu'on... Puis il faut les former, les préparer. Exactement, oui. Comme à l'ancien temps. Hein, c'est, voilà. Bah, c'est la pérennité de l'école. Hein. Sinon, l'école va s'éteindre petit à petit. Bien sûr. Comment tu te vois dans 10 ans? Toujours aussi jeune. non, en fait, je me vois pas dans 10 ans. En fait, je me vois comme maintenant. Ouais. Et je me vois maintenant comme je me vois quand j'avais 25 ans. Et donc, peut-être que visuellement de l'extérieur, c'est pas tout à fait pareil quand je regarde les vieilles photos. Mais globalement, non, il y a rien qu'à changer. En plus, j'ai la chance d'être à peu près en forme quand même. Donc, pas de problème physique, c'est l'essentiel. Hein. Ouais, non, c'est super important. Bah oui. Donc c'est important de préserver son intégrité physique. Ça c'est quelque chose que m'a beaucoup apporté Tokitsu Sensei dans un approche martiale où en fait on respecte son corps. Par exemple j'ai fait par le passé et bien avant, j'avais fait 2 ans de boxe thaïlandaise. J'ai pas respecté mon corps à ce moment-là. Mmh. Et d'ailleurs en fait on tapait dans les sacs mais... tout ce qui comptait, c'était de faire un beau bruit. Ouais. Donc on était contents, ça faisait du bruit, ça claquait et tout. Mais ouais. Seulement après, il a fallu que je me fasse opérer les jambes parce que je m'étais fait un petit problème de veineux. Ouais. Parce que à cette époque-là, on était foufou et qu'on faisait pas attention à son corps. Mmh. Maintenant, j'ai pris conscience que mon corps, c'est moi. Mmh. Donc quand on lance un coup de poing, quand on lance un coup de pied, je lance pas mon poing, je ne le sacrifie pas. Mmh. Donc je vais frapper, mais en contrôlant bien tout ce qui se passe. Toute ta structure. Et je fais très attention à ce que mes élèves fassent pareil. Et, qu'il y ait pas de... et d'ailleurs, on a beaucoup moins de blessés que par le passé. Mmh. Donc, ouais, mais c'est super important si on veut pratiquer longtemps. Oui, à la fois, ça permet de pratiquer longtemps. Et puis en même temps, les gens qui viennent à 80% pour faire de la self-défense, s'ils arrivent et qu'ils se blessent en s'entraînant alors qu'ils ont une chance sur 100 de se faire attaquer et d'être blessé, c'est un petit peu ridicule de venir et d'avoir une chance sur 10 de se blesser à l'entraînement. Mmh. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux rester chez soi. Ouais, t'as plus de chance. Voilà. Ouais, pour garder son intégrité physique, oui. Ouais, non, c'est super important, quoi. Ouais. Après, plus on prend de l'âge, plus on en prend conscience aussi. Ouais, c'est pareil. Je sais pas encore. Mais moi, c'est pareil. On est encore jeune, donc. Oui, voilà. Donc tu vas en stage, tu étais venu au masterclass il y a quelques années, oui, c'était, oui, oui. Franchement c'était extraordinaire. Merci. Et de rien, avec plaisir. Et donc on sait que tu vas de plus en plus à faire des stages, donc que ce soit à droite, à gauche, à Paris, après dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Comment ça se passe un petit peu? Alors en fait, les stages internationaux sont organisés dans le cadre de la FM Nitai ou parfois des invitations ponctuelles par, par des experts étrangers. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage à Alger 3 jours avec Marie Rennes, donc qui avait organisé un truc superbe à Alger. En plus, j'ai découvert Alger. Il y avait 160 élèves. C'était super fatigant parce que globalement, j'ai fait les techniques sans arrêt pendant les 3 jours. C'était super actif. Ouais. Après, j'ai fait des stages en Espagne, j'ai fait des stages en Hongrie, en Italie, un petit peu partout. Donc, il y en a à la fois que... où j'ai accompagné Sensei à l'époque, et puis petit à petit, j'ai aussi été réinvité, donc ce qui est plutôt sympathique. Et puis ça te permet de connaître beaucoup de gens, et puis ça crée un super réseau. Oui, et puis surtout, ça te permet aussi, en plus, avec tes responsabilités, de pouvoir dégager le tronc commun, quoi, qui puisse partir en fait ailleurs, quoi. Exactement. Qu'il ne soit pas juste centré ici, quoi. Oui, oui. Et donc ça, c'est super important que tu... Ouais. Puisse continuer à bouger, aller à droite, à gauche, que ce soit en France ou à l'étranger, mais pour propager ça, quoi. Ouais. Alors, en France aussi, donc, on a beaucoup d'activités, à la fois au sein de l'EFNTJ, où donc, on a les stages régionaux, on a les séminaires pour les ceintures noires et les enseignants, on a des stages qui sont organisés dans les régions. En même temps, j'ai été invité en tant qu'expert de la Fédération de Karaté, déjà sur...
l'Alsace en début d'année, j'ai eu la Martinique l'année dernière en décembre, et je vais faire un stage avec le CDK22 au mois de mai prochain. Donc tout ça, c'est plutôt sympathique, et, ouais. Et ça permet d'aller diffuser la bonne parole, on va dire. Ouais. La parole, et surtout que tout le monde ait la même parole, quoi. Oui, ça c'est important, c'est qu'il va falloir vraiment travailler sur l'homogénéisation du travail, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un tronc commun, et il faut qu'il soit bien transmis. C'est un petit peu comme un feu sacré. Donc Sensei Ernez m'a confié la responsabilité de le transmettre, et moi je veux le transmettre tel quel, ce tronc commun. C'est vraiment le cœur de l'école. Ouais. Et on a tous la responsabilité en soi, y compris le professeur qui va travailler dans son club au fin fond d'une région. Bah, il doit avoir cette même mission, en fait. Mm-hmm. En fait, on a quasiment que des devoirs. Hein. Et même oui. Que des devoirs. Ben oui, après, c'est que ça. Voilà. Mais après, ça nous plaît, c'est notre passion. Mm. Et c'est vraiment l'envie de transmettre. Donc il y a ces stages au niveau de la France, on fait aussi des stages régionaux, on fait des stages privés parfois aussi pour des gens qui veulent découvrir. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet de montrer sur une journée ou deux journées la progression pédagogique. C'est-à-dire que notre école a pour ligne conducteur le Tai Sabaki. Tai Sabaki, c'est la sortie d'axe. Donc la sortie d'axe, c'est un petit peu comme le toréador qui se sort de l'axe de l'attaque du taureau. Et après donc... Ça nous permet de nous mettre en sécurité, et ça nous permet aussi de prendre le dessus, d'inverser les rapports de force. Donc tout notre travail est basé là-dessus. Donc quand j'enseigne, pour des gens qui découvrent la discipline, je pars sur le Tai Sabaki, et après je construis autour. Et généralement, même sur un stage de deux jours, on peut arriver sur des attaques de face, latérales, arrière, et même des défenses contre-armes, des choses comme ça, c'est super intéressant. Oui, parce que c'est la même base. C'est la même base, de toute façon. Voilà. Donc nous, notre ligne conducteur, c'est le Tai Sabaki. Ouais. Voilà. Chaque école a sa ligne de conduite, on va dire. Ouais. Si on regarde le Yosekon Budo, c'est l'ondulation. Si on regarde le Karaté Shotokan, c'est très bas, travail de hanche. Mm-hmm. Si on regarde le Tai Chi Chuan, c'est l'ancrage dans le sol, puis c'est l'énergie. Mm-hmm. Alors tout se retrouve à haut niveau. Ouais. Mais par contre, pour l'élève qui apprend, il va prendre un fil conducteur qui va suivre. Et il va monter en haut de la montagne par ce chemin. L'autre, il va utiliser un autre chemin, mais ils vont arriver au même endroit. Oui, bien sûr. S'ils sont suffisamment assidus. Oui, assez haut. Et assez haut. Un petit coup de gueule. Dans la pratique des arts martiaux. Général, tu sais, il y a un truc. De manière assez globale, bon, c'est vrai que je ne sais pas si c'est basé sur l'atmosphère ambiante de la France avec les attentats et les choses comme ça. Il y a un gros engouement pour la self-défense, on va dire globale, on va dire. Avec un attrait pour beaucoup d'écoles qui en fait se sont montées assez rapidement et finalement vendent un petit peu du rêve. Après, je ne vais pas dire que toutes les écoles vendent du rêve, parce que si on regarde les anciennes publicités de Jim Alshek l'époque, que j'ai récupéré rêve, d'ailleurs, c'était apprenez à vous défendre en 10 leçons. Ouais. Voilà, ce qui est impossible. Bien sûr. Donc c'est un côté marketing qu'on n'a pas nous, parce qu'on reste une école traditionnelle et qu'on veut vraiment enseigner les arts martiaux avec, comme bonus, la défense personnelle, on va dire. Mais par contre, on ne va pas vendre la défense personnelle en disant « Allez-y, venez, dans une semaine, vous serez un super héros et vous allez pouvoir vous défendre contre n'importe quelle agresseur. Attaque. » La meilleure défense, c'est de se sauver ou de ne pas se mettre dans les mauvaises situations, aussi. De toute façon. Ouais, totalement. Voilà. S'il y a un quartier qui est dangereux, bah, moi j'y vais pas. Hein. Mm-hmm. Je vais pas prendre de risques. Bien sûr. Ça sert à rien. Il faut être alerte. Hein. Donc, voilà. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Ouais, quelque chose qui est dans ta pratique, qui t'a vraiment touché. Je sais pas. Tu sais pas. Non. Ah ben non, parce pas, que hein. C'est continu. Moi, j'ai gardé la même. Je pense que j'ai gardé la même passion. Ça fait plus de 45 ans maintenant que je pratique les arts martiaux. Ouais. Et ça fait tellement partie de moi que je. Ouais, j'ai pas de coup de cœur particulier en fait. J'aime tous les arts martiaux. Je m'intéresse à tout. Je regarde tout ce qui se passe. J'essaie de progresser. Donc voilà. C'est bien. T'as un coup de cœur, un coup de foot tous les jours, quoi. Bah ouais. C'est pratique. Vous pouvez retrouver bien sûr Philippe Gallet sur tous les tatamis, d'ici ou d'ailleurs.
aller à sa rencontre, découvrez ses stages, découvrez son équipe, sa pratique, découvrez l'homme. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci Philippe. Merci Lionel et à très bientôt sur les tatamis alors. Allez, ciao. Ciao.